France. On a commencé au deuxième tour chez un club de chez nous en D4, Saint-Antoine de l'Abbaye. On gagne 9-1. Après, au troisième tour, on a joué Saint-Fons. On gagne 1-0. Très très compliqué d'aller gagner à Saint-Fons. Bon, on sort victorieux, c'est le principal. On marque sur pénalty. Au quatrième tour, on joue Chavanay. On perd 2-0 au bout de 20 minutes. Je me blesse au bout de 20 minutes. On change de gardien. Compliqué de changer le match. À la fin, on gagne 5-2. Sur 75 minutes, on gagne 5-2. Propre. Bon contenu. Ce cinquième tour, on va jouer à Centre Dombes, chez une D2. On galère, fête du club, beaucoup de monde autour, on gagne 5-2, mais 0-0 à 70e. On gagne difficilement, mais voilà, on passe, c'est le principal en Coupe de France. Après, sixième tour, on joue Voiron, une D1 de chez nous costaud, qui a l'ambition de monter en R3, donc on gagne, c'est le principal. Cette semaine est assez spéciale pour le club, c'est la première fois de leur histoire qu'ils arrivent au septième tour. Avec un club de Ligue 2 au tirage, c'est bien pour les représentants du club. Après, spécial non, on s'entraîne normalement. On rajoute juste une séance vendredi. Puis, on va préparer le match comme d'habitude, être sérieux aux entraînements. Le match, on l'aborde comme un match de championnat. On n'essaye pas trop de parler de Ligue 2. On va jouer notre football et on verra ce qui se passe. Après, on essaye de préparer au mieux en prenant toutes les infos des joueurs d'expérience qu'on a dans le groupe. Mais on va essayer de faire cet exploit qui sera... exceptionnel pour le football grenoblois. À noter que l'année dernière, Cessin n'a pas réussi à le faire. Au stade des Alpes aussi, contre le Puy en N2. Donc pourquoi pas faire cet exploit au 7e tour et être au 8e tour. Le début de saison de Martigues, j'ai pas trop suivi. Après, c'est un club professionnel qui s'entraîne tous les jours, voire deux fois par jour. Ils ont l'expérience. Sûrement, ils vont vouloir se relever avec la Coupe de France. Après, à nous de jouer nos armes. On a les joueurs pour faire quelque chose. Lui sera un atout dans ce stade des Alpes. On ne sait pas exactement les chiffres de places qui ont été vendues. Après, déjà leur dire merci de venir nous soutenir et à nous maintenant de faire cet exploit pour leur rendre et on se dit à dimanche.